Jean perdu. Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Estelle Erika Jacqueline Paulet? Oui, je le veux. Madame Estelle Erika Jacqueline Paulet, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Thomas Pierre Jean perdu? Oui, je le veux. Eh bien, au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. L'héritier? L'héritier du nom? Je garderai et je t'aurai toujours auprès de moi, même si tu es un peu rêveuse et perdue. Mais une chose est sûre, c'est que je serai toujours ta partenaire, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les échecs comme dans les victoires. Alors on sera pas forcément les meilleurs danseurs, mais on dansera à notre façon, comme on l'a toujours fait, depuis maintenant plus de 6 ans, dans la douceur, la bienveillance et la complicité. Notre vie ne sera pas d'attendre que les orages passent, mais d'apprendre à danser ensemble sous la pluie. Alors maintenant, dansons! Ce n'est pas rare de le voir amoureux d'une de ses amies ou de ses voisines. Alors, t'as pas écouté ce qu'a dit le prêtre tout à l'heure? Alors, je le reprécise, hein, ils ne sont plus disponibles du tout, je ces deux-là. Je te demande un gage, cette et de t'aimer toute ma vie, j'en fais serment. Thomas s'est fait rattraper par les surveillants de l'école de Massy parce qu'il avait fait sauter des pétards dans les toilettes de l'école. Travailler d'arrache-pied pour satisfaire le roi et la reine Odile et Francis. Le prince Le Perdu et la princesse Paulet se marièrent et eurent beaucoup, beaucoup de tidus. Combo Thomas, le lieu de notre rencontre. Nous avions 14 ans, c'était il y a 10 ans, et aujourd'hui, Thomas, nous sommes très fiers d'être face à toi pour témoigner de ton mariage avec nous. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va te laisser tranquille sur ce sujet-là, mon petit Thomas. Voilà encore un point de ta personnalité que nous avons pris le temps d'étudier. Sous les moindres coutures, et fais-nous confiance, des choses à dire, il y en a. Quand nos deux mariés s'embrouillent, Thomas est à la porte, ou alors il prenait la porte lui-même, pour oublier tout simplement ses déboires. Ses fidèles amis lillois n'étant que trop ardents, on étudiait, c'est ça, on étudiait.